Vous êtes au musée du Mont-de-Piété de Berg. Le musée est implanté dans un ancien Mont-de-Piété, comme le nom du musée l'indique, qui a été édifié au début du XVIIe siècle par Venceslas Koberger. Les collections du musée sont constituées principalement de peintures flamandes, mais vous pouvez aussi découvrir un tableau de Georges de la Tour, le seul tableau conservé dans les musées du Nord-Pas-de-Calais et le plus grand tableau de Georges de la Tour connu à ce jour. Le musée conserve également une importante collection de dessins anciens, qui est la deuxième collection de dessins en région. La présentation des collections permanentes s'établit de façon thématique, c'est-à-dire que nous avons une salle consacrée aux portraits, une salle consacrée à l'art religieux, une autre salle consacrée à la présence de la femme dans l'art, une salle consacrée à la nature morte et aux scènes de genre, une salle consacrée à l'abbaye de Saint-Vinoc, puisque la majorité des collections reviennent de cette abbaye, et une salle qui est le cabinet d'art graphique du musée.